Bonsoir, bon Francis. Tu vois que tu connais. Euh, je ne soupçonnais pas ta connaissance approfondie de, de mon travail, mais je ne suis pas vraiment surpris. Et cette introduction euh, a d'autant plus tombe à pic puisque c'est toujours dur. Par quoi va-t-on commencer Bon, vous avez vu un peu la partie euh, finale et un peu l'actualité de l'agence, qui est celle de, de ces architectures verticales et environnementales, notamment liées à ce projet d'hypergreen. Donc par quoi commencer Et c'est vrai que j'ai choisi de, de vous parler de ce qui fait peut-être effectivement le, le point de départ, en tout cas le, la, la, la base de nos réflexions à l'agence hein, et en tout cas de ma culture. Effectivement, ces bâtiments que j'ai un peu casé sous le nom de générique de, de bâtiments utiles. J'ai beaucoup photographié de bâtiments industriels, beaucoup photographié de cabanes, d'infrastructures techniques. Je ne euh, vais pas en parler vraiment là ce soir, mais j'ai même écrit là-dessus. Et en fait, j'ai un intérêt pour tout ce qui est à la marge, tout ce qui est à la marge de l'architecture, qui fait partie de notre environnement, qui fait partie des, euh, des constructions, mais qui ne sont pas vraiment dans la culture architecturale, qui ne sont pas vraiment... Des grandes architectures. Alors, je me dis, en préparant ce soir ces, ces images, je me dis pourquoi. Et en fait, je crois que peut-être une des raisons principales, entre autres, mais quand même une des raisons principales, c'est ma méfiance très certaine de la forme. Et en tout cas, mon, dis, disons mon rejet de tout formalisme, de tout ce qui est un peu tautologique dans l'architecture, l'architecture qui parle à elle-même. Et euh, Francis Rambert évoquait ce goût du, du réel. Effectivement, une des façons euh, de, de se garder de, de, de ce formalisme, c'est d'essayer de mettre euh, son travail en rapport avec des choses assez concrètes, avec des choses réelles. Finalement, si des hangars agricoles, si des bâtiments industriels finissent par mieux appartenir au paysage parfois que certaines architectures. Euh, euh, savantes, élaborées, c'est peut-être que leur légitimité est fondée sur ce rapport très simple à l'usage, ce rapport très simple à l'utilité. Et donc, euh, je commence, alors plutôt que de montrer d'images de référence, je me dis, nous aussi, on a dessiné quelques bâtiments industriels, et je commence donc avec un, un bâtiment industriel. Que, que nous avons construit pour Air France à Orly, au bout des pistes d'Orly. Le site est facile à imaginer, c'est tout simplement sur le site aéroportuaire, au, au bout des pistes d'Orly. Et en fait, dans ces programmes, qui sont des programmes extrêmement euh, serrés, des programmes extrêmement rudes, euh, évidemment, où l'architecture, a priori, n'est pas la, la bienvenue, en fait, j'y trouve une, une certaine liberté, justement parce qu'on demande très peu de dessins. On demande très peu de dessins et on a euh, au contraire euh, des choses qui sont assemblées presque euh, par force. Alors évidemment, ça c'est un peu une histoire hein, que je raconte parce que derrière tout ça, il y a tout le travail, il y a tout notre travail. On ne peut pas faire semblant de ne pas être architecte. On ne peut pas avoir une sorte de, de, de naïveté tout en sachant. Bon, on, est dans, on est dans cette idée qu'on travaille du point de vue de l'architecte mais on s'inspire, on essaye de garder la force de, de ces programmes on essaye de garder la force de ces éléments de référence que je citais et qui sont donc ces bâtiments industriels qui sont souvent très peu dessinés qui sont, où il y a souvent des, des conflits un peu brutaux entre des, des objets techniques, des matières et pour nous ça a été l'occasion puisque ce n'est pas le premier bâtiment technique ou industriel sur lequel on est travaillé finalement de Forger un vocabulaire d'économie, enfin d'économie au, au sens large, utiliser un matériau jusqu'au bout, peu de matériaux, insistance, des, ce sont des choses, des choses que j'aime. Euh, matériaux du catalogue, euh, ne pas essayer finalement de, de faire des choses high-tech, mais euh, de s'appuyer sur ce qui est disponible partout, les, les, les matériaux que l'on trouve sur euh, chez les industriels et essayer de faire un objet euh, singulier par, euh, par les assemblages euh, de, de ces matériaux entre eux et de revendiquer que l'on peut avoir une position d'auteur d'architecture sur un bâtiment aussi simple que celui-ci en tout cas simple dans, ses, dans sa vocation architecturale euh, en faisant uniquement comme ça une, un recrutement recrutement de, de, de matières de, et de matériaux et de produits disponibles. Alors évidemment, ce n'est pas euh, qu'un jeu plastique, sinon on n'apporterait pas grand-chose. Il ne s'agit pas uniquement d'esthétiser cette, cette idée du, du low-tech qui, qui était évoquée. Évidemment, on essaye d'apporter autre chose, comme par exemple ici, et ce n'était pas facile, avoir sur cette vaste usine, c'est une usine qui fait 200 mètres. 200 mètres, donc 4 hectares, si je ne me trompe pas, 4 hectares couverts de bâtiments de plein pied, dans lequel, dans lequel sont réparées les pièces détachées des avions. C'est-à-dire que les, tout ce qui peut se détacher d'un avion, qui ne nécessite pas de, de démonter complètement l'avion dans un grand hangar, est réparé ici. Donc c'est très varié, d'un train d'atterrissage à un fauteuil, à une boîte noire, à des, des appareils électroniques. Sont réparés, sont, sont réparés dans ce bâtiment et donc vous voyez ici finalement qu'est-ce qui dicte la, la façade, l'idée euh, de donner la lumière naturelle périphérique à tout le monde et donc un simple, vous voyez quelque chose, décision très simple, cette grande baie vitrée qui fait donc 400 mètres de pourtour et qui entoure tout, tout le bâtiment et qui donne la vue sur le bâtiment et surtout qui donne la vue vers, vers l'extérieur. Alors pourquoi ce n'est alors C'est le genre d'idée où on a l'impression qu'on apporte. Enfin c'est vrai, c'est pas une impression. On apporte aux, aux utilisateurs, mais ce sont pas des idées faciles à faire passer parce qu'il y a toujours un ingénieur qui veut faire passer un tuyau, un utilisateur qui veut mettre une armoire, etc. Et faire recourir ce mur vitré euh, tout le long de la façade, en fait, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de débats, beaucoup de convictions. Mais c'est là le rôle de l'architecture, c'est-à-dire que même quand on est dans un programme où l'usage est si fort, où l'usage est si impérieux, je dirais, je crois que l'architecture est dépositaire d'une autre vie possible du bâtiment, même quand il s'agit d'une usine, et du fait que, certainement, depuis les deux ans que nous avons livré ce bâtiment, déjà les ateliers ont été reorganisés, et le, le, je dirais que la, la constance. De, de ce jour naturel et de cette vue sur l'extérieur, elle reste et est offerte, quelle que soit l'organisation euh, du projet. Nous avons également parsemé des, des patios à l'intérieur de la surface de process, je rappelle, 4 hectares, de façon évidemment à amener le jour et la vue à l'intérieur du bâtiment. Vous voyez là le plan de ce bâtiment pour une dernière idée que je voudrais souligner c'est l'importance dans tous nos projets des espaces que j'appelle des espaces de la vie collective, c'est-à-dire on a, on a beaucoup travaillé sur des bâtiments de bureaux, sur des bâtiments universitaires, ici sur une usine, c'est-à-dire des espaces finalement de, de travail, de production, que ce soit de la production de connaissances ou de la production de, de pièces mécaniques et donc ce sont toujours des, des programmes qui sont vus comme l'accumulation L'accumulation de, de surfaces précisément dimensionnées où les gens font des tâches précises, que ce soit un bureau. Ben un bureau, aujourd'hui, c'est un peu triste, c'est 12 mètres carrés pour tout le monde. Ben un programme de bureau, c'est finalement l'accumulation de ça, plus quelques salles de réunion, espaces de détente. Ben une usine, c'est pareil. Et je me suis toujours attaché dans les projets à mettre en valeur l'espace pour la vie collective, qui est là aussi, à mon avis, une des raisons qui fait que l'architecture a toujours son sens aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on a plus de chances de rencontrer ses, ses amis, de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer son ou sa fiancée dans son espace de, de travail ou à l'université, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'un bâtiment, plus que dans l'espace public. Donc encore faut-il que dans ces bâtiments, il y ait des espaces qui aient la dignité, qui aient la générosité, qui correspondent à cet aspect-là aussi du fonctionnement du bâtiment. Alors que peut-on faire quand c'est une usine Là, vous voyez, je ne sais pas si y a un pointeur, mais enfin, ça se voit très bien. Vous voyez que dans cette usine, il faut imaginer que vous avez le, une sorte de plan de toiture à gauche, vous avez le plan à droite, 200 mètres environ par 200 mètres. Et donc, on a mis cette grande circulation orange qui traverse les bureaux qui sont à droite, les ateliers qui occupent toute la gauche et la partie centrale. Et cette, euh, cette circulation euh, est le lieu ici, dans ce cadre industriel de la vie collective. Alors comment trouver cet espace nécessaire qui n'est pas prévu au programme En fait, on a rassemblé tout ce qui n'était pas de l'espace spécifique dédié à la production. Ici, on voit on est dans les bureaux, par exemple. C'est-à-dire, c'est les espaces de circulation. Là, on la voit au fond d'une allée, puisque ça sert aussi de signalétique et de, et de repère dans ce, dans, ce vaste, dans ce vaste espace. Donc, on a rassemblé tout ce qui était espace de circulation, espace de réunion, machine à café. Circulation des fenwicks, c'est-à-dire des, des chariots qui transportent les, qui transportent les pièces, euh, affichage syndical, absolument tout ce qui pouvait donner de la matière à, cette, euh, à cet espace ont été rassemblés dans un ensemble continu qui devient donc un lieu de vie gagné sur le, le programme fonctionnel. Alors. Là aussi, il y a à gérer, mais vous voyez, c'est un trait au sol, en tout cas, on le voit dans cette image, la juxtaposition des piétons et, et des machines. Évidemment, tous les espaces de, de détente, tous les espaces d'affichage et cette circulation orange sont connectés aux patios. Donc, il y a toujours euh, l'apport de lumière naturelle des patios sur cette circulation intérieure. Et c'est de, devenu le vrai. Lieu de vie collective de, de cet établissement industriel, c'est un espace sous d'autres formes qu'on trouve, par exemple, dans notre bâtiment construit à Paris pour la RATP, où là on a travaillé sur la double hauteur, ou sur d'autres bâtiments de bureaux que nous avons faits pour des chercheurs. Nous avons toujours essayé de gagner sur le programme des, euh, des espaces qui mettent en perspective et en continuité. Tous les espaces différents de ceux de la production proprement dite alors je parlais d'utilisation du, du catalogue vous voyez ici c'est c'est assez simple hein. ce sont les rideaux de porte industrielles hein, qui sont faits avec des petits grains de plastique donc il suffisait de mettre du colorant dans ces grains de de plastique avant qu'on forme le rideau donc on a fait le la couleur orange, ça aussi je vous, je vous passe sur l'histoire de cette couleur, pour un affaire acceptée par environ 1000 salariés de cette usine, qui chacun avait en tête une couleur différente, évidemment, et un système suspendu, un système suspendu de euh, très simple, un acier galvanisé. Alors on ne fait pas que des, nous ne faisons pas que des usines, non. on fait aussi des palais, et je me disais, est-ce qu'il y a une relation à trouver entre l'usine et le palais Ici, c'est le palais de justice de, de Normandie, à Rouen, concours que nous avons gagné il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors, par rapport à, à cette attention et à cette sorte de neutralité par rapport au programme, ici, on a résolu la question d'un palais de justice qui est à la fois l'institution que l'on connaît, l'institution avec ses, ses grandes salles d'audience, avec cette manifestation évidemment de la, je dirais de la, de la loi hein, de, la, de la République. Mais en fait, ce n'est plus du tout euh, la réalité d'un palais de justice. Un palais de justice, ces surfaces-là, représentent aujourd'hui moins de la moitié, ou en tout cas une petite moitié du programme. L'autre moitié du programme. Ce sont des bureaux et on vous demande des bureaux qui sont des bureaux d'aujourd'hui, flexibles, aménageables, lumineux évidemment, avec des largeurs standards, etc. Et donc nous avons là une interprétation assez radicale de ce programme, c'est-à-dire que nous avons superposé deux barres, disons, deux barres, deux bureaux sur la partie noble du palais de justice qui est finalement traitée comme une... Sorte de grande halle, une grande halle dans laquelle sont disposées euh, les salles d'audience. Mais peut-être plus important par rapport au, à cette usine que l'on vient de voir à l'instant, c'est la salle des pas perdus. C'est la salle des pas perdus qui est finalement l'équivalent de cet espace collectif dont je parlais il y a un instant. Mais cette salle des, palais, des, des pas perdus pour le palais de justice de, de Rouen, c'est finalement l'alternance de patios, puisque nous avons mis cinq patios au cœur de ce projet, de façon à ce que l'image de la justice soit une image euh, douce, une image de jardin, une image de lumière. Les utilisateurs auront la possibilité, ou non, c'est à eux de décider de savoir si tel patio est ouvert au public, ou aux magistrats, ou aux deux, etc. Mais en tout cas, c'est une image, comme vous le voyez, très, euh, très rassurante euh, de la justice. C'est toujours cette idée d'espace. Euh, D'espace de rencontre. Et finalement, il me, je dirais qu'il me plaît de voir que ce n'est pas si loin que notre allée industrielle hein, pour l'usine hein, d'Air France que vous avez vue. Et je crois que là aussi, il y a quelque chose que j'essaie de faire dans, dans mon travail euh, l'usine, le palais, le palais-l'usine. Je crois que la méthode ou la façon dont j'aborde le projet permet de vraiment dire qu'on essaye de donner la même chose évidemment le coût du bâtiment est peut être trois fois plus élevé pour le palais de justice que pour l'usine, mais l'intention et la qualité à l'intérieur sont finalement peu différentes. De même que pour arriver à construire cette double façade, on travaille là sur un projet qui va être au niveau énergie euh, très euh, très performant qui, qui vise au certificat HQE ça j'aime pas trop en parler parce que je suis assez contre cette norme et en étudiant ce projet j'ai bien vu que c'était assez idiot même complètement idiot comme norme mais en fait on aura le certificat HQE et donc on a cette cette peau ajourée qui qui à la fois diffuse la lumière et à la fois protège de l'éblouissement euh, le bâtiment et elle est comme on le voit sur, cette, sur ce dessin, et elle est en fait euh, construite par l'assemblage d'un caillebouti, d'une tôle perforée, mur rideau standardisé, donc stratégie, je dirais, apprise et, euh, et développée sur des bâtiments utiles, comme l'est de toute façon, un palais de justice. Alors, je passe là à un autre aspect de, de notre travail aujourd'hui, mais qui est l'aspect au, auquel nous sommes tous confrontés en ce moment, enfin, il me semble, c'est-à-dire une grande importance de la commande privée, moins de commandes publiques, plus de commandes privées, des, euh, euh, des projets qui sont donc euh, des projets là aussi assez, assez réels pour le coup, comme ici un immeuble un immeuble de bureau à Grenoble là, pour lequel le, le promoteur est venu nous trouver parce qu'en fait le site qui est ici voilà le site qui est ici demandait un peu d'architecture voilà ça c'est la vue du site parce qu'en fait on est le long on est le long de l'autoroute pour ceux qui connaissent Grenoble qui, qui, qui passent et qui laissent la ville sur la gauche et euh, vous avez le Vercors, les montagnes de part et d'autre et le, le bâtiment va être implanté ici. Et donc là, c'est une commande assez, assez minimale. On voit, la, on voit ici la silhouette, la silhouette de ce bâtiment, qui est, euh, qui est en fait un bâtiment de bureau dont j'assume tout à fait la, euh, la radicalité, en ce sens que c'est une succession de plateaux, succession de plateaux à hauteur normalisée. Donc que faire Alors, Déjà, le travail qu'on qu ne voit pas parce que je n'ai pas amené le plan, c'est d'amener le jour, la lumière naturelle et la vue à la sortie des ascenseurs, des escaliers, pour que même dans ce programme qu'on appelle Bureau en blanc, où finalement l'architecte n'entre pas dans l'aménagement intérieur des plateaux, pour amener une qualité dans, euh, dans la circulation euh, au quotidien dans le bâtiment, pour avoir toujours ce rapport à la lumière et à l'extérieur. Et puis, le travail sur, euh, sur la lumière, sur la façade, en sachant que là, on a mis en œuvre un dispositif qu'on a déjà euh, utilisé, par exemple, sur un bâtiment euh, il y a quelques années à Nantes, un bâtiment pour un laboratoire biologique où on, on avait détourné disons, la pauvreté constructive en mettant deux, deux couches de, de matériaux très simples, mais la superposition des deux crée à la fois une identité pour le bâtiment, créer de nouvelles fonctionnalités, créer par exemple des balcons, et en même temps euh, déjouer complètement le côté euh, pauvre euh, de, de ce type de construction. Donc c'est ce qu'on a fait ici en superposant un mur, puisque ce promoteur construit toujours avec des voiles porteurs, ça c'est son produit. À un moment donné, il faut que le projet ne soit pas complètement contradictoire avec le produit. Donc un voile porteur qui est à l'arrière et devant ce système de, de voilettes. En métal perforé, dans lequel nous avons intégré, sur les parties sud et sur les parties de toiture, 800 m carrés de panneaux photovoltaïques qui vont à la fois donc donner une image enfin, parce que c'est très beau, un panneau de photovoltaïque, photovoltaïque c'est du, du verre bleu, c'est euh, une sorte de, de, de vitrail, qui vont donc donner des, des, des reflets bleus, qui vont donner une très belle image perçue depuis l'autoroute, perçue en contre-champ de ces montagnes, qui vont servir de brise-soleil, et puis 800 m2 de panneaux photovoltaïques pour un bâtiment de bureau, je pense que ce sera une des plus importantes installations à ce jour en France, tout ça sur un bâtiment, une fois de plus, de promotion, dont je me garderai bien de donner le prix au mètre carré, de peur qu'on me demande de refaire la même chose. Les maquettes d'études que nous avons fait à l'agence, et pour terminer, finalement, quelque chose d'assez sympathique, c'est-à-dire que le promoteur, au début un peu effrayé, un peu réticent, qui, vous le voyez là, dévoile le prototype, comme, comme certains ont dévoilé des œuvres d'art ou des sculptures dans circo d'autres circonstances. Et vous voyez la simplicité du, du, système, du système constructif qui sert évidemment un écho qui sert, qui nous sert aussi de prototype pour le palais de justice que, que l'on a, a vu avant. En fait, je crois qu'à l'agence, il n'y a pas de projet isolé. Il y a un peu un système comme ça euh, à la euh, Darwin. C'est-à-dire qu'à la fois j'adore insister sur les mêmes choses, les mêmes pistes. On a des bâtiments clairement qui sont des séries, qui se développent. Les uns après les autres, mais heureusement, donc je ne suis pas tout à fait monomaniaque, parce qu'heureusement, il y a chaque fois une occasion de dévier un tout petit peu et on trouve une autre piste. Et donc, il y a quand même en ce moment plusieurs pistes explorées simultanément à l'agence. Mais néanmoins, il n'y a pas de bâtiment isolé. Et quand par hasard, pour un concours, on fait un bâtiment isolé, euh, deux ou trois mois après, quand je revois le projet, c'est-à-dire s'il est isolé complètement du reste de la production, pour moi, c'est pas un bon projet. Bon, heureusement, on n'a jamais gagné de concours avec ce genre de bâtiment. Je me dis ouf, parce que j'aime bien que tous ces bâtiments se relient entre eux par des thèmes sans être non plus complètement, complètement similaires. Alors, je disais que j'avais. Euh, plus que des architectures savantes, j'avais beaucoup photographié des, des bâtiments agricoles, des, des hangars, voire des granges. C'est peut-être hein, ce, cette référence hein, qui a un peu lancé l'idée du projet du, du siège social des champagnes à Charles et Piper Heitzig que nous construisons actuellement. en... À Reims, en Champagne, évidemment. Alors, siège social, c'est un bien grand mot. En fait, l'histoire de, de ce projet, c'est que Piper et ont un bâtiment très ancien, très noble euh, dans Reims, dont ils se défont. Enfin, ils en gardent un, mais ils se défont du reste. Et ils déplacent euh, leur bureau au plus près de l'unité euh, de production. Et aujourd'hui, les. Comment dire les critiques, les, 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 les critiques gastronomiques, euh, les, les journalistes japonais qui viennent euh, évaluer le champagne. On ne peut plus se contenter juste de les promener dans les vieilles pierres. C'est plus du tout ça. J'ai appris en travaillant sur ce projet qu'ils exigent d'être au milieu des cuves, euh, des, des cuves de la production, du stockage. Donc c'est devenu euh, très différent euh, du côté un peu mondain, euh, réception, patrimoine que ça peut être un certain temps. Et c'est pour ça que ce bâtiment. En fait, euh, c'est euh, euh, déplacé en fait, et créé devant, euh, devant l'unité de production qui, dans cette image, euh, serait, euh, serait à gauche. Et donc, en fait, on a travaillé, nous avons travaillé sur, sur ce projet, sur une sorte de, de déformation de quelque chose qui pourrait, euh, puisque c'est devant cette. Euh, manque de chance, je n'ai pas de photo de, de, de l'usine, mais. On peut vous imaginer, tout le monde imagine ce que c'est qu'une cave euh, vinicole. Donc, euh, d'un bâtiment qui pourrait à la fois avoir le prestige, l'étonnement, le côté inédit euh, du siège social, mais qui en même temps euh, ne soit pas euh, en contraste absolu euh, par rapport à l'usine. Qu'il n'y ait pas comme ça deux, deux mondes, comme il y a eu souvent par exemple un petit cube de verre miroir pour les bureaux. Et à l'arrière, un hangar en bardage pour l'usine. Là, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir à la fois la surprise d'un bâtiment un tout petit peu extraordinaire, mais que quelque part, ce bâtiment et les grands hangars, qui sont de grands, des grands hangars en bardage avec des grandes cuves à inox à côté, euh, marchent quand même avec et qu'on soit dans ce registre un peu, comme vous le voyez, un peu agricole, un peu de, un peu de grange, et qui est en fait un, un dispositif. Ce pas un grand bâtiment, hein, c'est 2000 m environ, avec des, des fonctions de, de réception et ensuite des bureaux sur deux étages. Et en fait, on a, euh, on a rassemblé euh, dans cette halle dans cette persiennée, dans cette halle de résine, on a rassemblé les, les surfaces de programme avec des, des petits jardins, de façon à ce que quand on entre euh, dans le bâtiment, il y a comme ça une mise en abyme d'une partie de bureau, d'un jardin, encore d'une partie de bureau, et encore au-delà, on revoit des jardins, plus les reflets de tout ça, plus un jardin qui est juché au premier étage, sur lequel ouvrent les bureaux de direction, la salle du conseil d'administration, etc. De rendre, quand le bâtiment sera construit, il sera livré en mars, ce bâtiment, de, de rendre la simplicité de la halle riche et diverse dans son vécu et dans son parcours. Euh, à l'intérieur. Donc voilà euh, une illustration du, du hall qui est vaste. Le projet n'est pas si grand que ça, mais dans tous nos projets, on aime bien trouver toujours à un moment donné euh, une sorte de grande dimension des choses, grande dimension des vitres, grande dimension des panneaux, grand, grandes choses comme ça qui, qui justement donnent une, une noblesse à ces, à ces constructions. Voilà, l'usine, on en voit un bout, elle est là-haut, et le bâtiment est ici, et on espère bien que dans un jour prochain, l'agence terre, de paysagistes terre avec qui on travaille, va nous inventer ici un paysage de vigne, mais qui en même temps ne serait pas tout à fait une vigne non plus. Donc ça, c'est la prochaine étape. Alors cette, cette façade, en fait, elle est faite... Donc voilà le contexte hein, des cuves, et on voit beaucoup de, de casiers, là, comme vous voyez à gauche, on voit beaucoup de casiers parce que c'est là où on stocke, c'est là où on remue les bouteilles, ce qu'on faisait avant à la main, c'est fait par des machines. D'où un peu là aussi la, la mise en route de, de cette résille à monogramme, c'est-à-dire une résille assez simple, dans laquelle il va y avoir euh, le monogramme euh, CHP, Chamb euh, Charles Heitzig Pieper, et on a imaginé, voilà l'étude, euh, non pardon, la, un test récent de fabrication euh, du, du prototype, une étape, toujours, une étape toujours passionnante, évidemment. Et donc on a, euh, on a imaginé que les, les, le panneau se dédensifiait, hein, c'est assez, assez simple à imaginer comme l'effervescence. Euh, l'effervescence du, du champagne, le, euh, cette idée de, de dématérialisation qui ici est liée évidemment à l'idée d'effervescence. Et donc c'est un projet qui a, été, euh, qui a été accepté, qui est, qui est en train d'être euh, construit. Je dis ça parce que c'est jamais facile, parce que quand vous êtes en décalage par rapport à ce que les gens attendent d'un siège social, eh bien, euh, nous, ce qui nous paraît luxueux, le doré, cette idée de monogramme, etc., c'est quand même toujours surprenant pour un conseil d'administration qui, qui est plutôt dans le, dans le marbre. Voilà, ça c'est, euh, retour à un petit bâtiment industriel qui, qui lui fait le lien avec cette résille pour Piper, sauf qu'ici, c'est un bâtiment industriel à, à Toulouse et qui superpose à nouveau, voilà, c'est à peu près les proportions, euh, le, le même écart, une, une ossature en acier galvanisé, une résille par soleil, à nouveau des panneaux photovoltaïques, et euh, le petit mur rideau des, des bureaux et la, les reflets de tout ça qui animent tout ça. Alors c'est vrai que le, ce, ce goût pour les, les, les cabanes et les. Euh, et les hangars agricoles, peut-être m'a poussé parfois presque dans l'utilisation dans presque littérale de, de ce type de, de forme, comme une réponse efficace à un contexte. Pas comme Nikon, comme ça, de dire tiens, je vais construire une petite grange, un petit hangar. Non, un contexte. Par exemple, ici, la question était vraiment passionnante. Ça a été un projet très long, très, très, très long. Ça me faisait penser un peu à un film de Romer parce qu'en fait, il s'agissait de créer un petit musée dans un village. C'était vraiment tout à fait l'arbre, le, le maire et l'architecte. Bon. Heureusement, il n'y avait pas Fabrice Lucini comme opposant au projet. Donc, le projet s'est fait. Et le projet s'est fait à la place d'une ferme dans un village qui doit avoir euh, 1000 habitants. C'est un musée, en fait, c'est dans le Perche. Beaucoup d'habitants du Perche sont partis au XVIe et au XVIIe siècle au Québec, enfin au Canada, et donc ils sont très fans de revenir sur les lieux de départ, etc. Et donc c'est un musée à l'américaine, un peu un centre d'interprétation, c'est-à-dire que dans ce musée, il va y avoir toutes les bases de données, des artefacts comme ça qui retracent l'aventure de, de ces percherons qui sont partis peupler le Canada. Fabienne Thibault, euh, au, sa famille est originaire de là, elle, a, elle est venue chanter pour l'inauguration. Il y avait Céline Dion aussi qui est originaire, Céline Dion aussi est originaire de ce village, mais elle n'est pas venue, elle. Et euh, donc, pour, euh, pour construire quelque chose qui soit actuel, qui soit d'aujourd'hui, mais en même temps qui ne soit pas euh, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, dans ce petit village, ben finalement, comme vous le voyez, on a eu recours à euh, cette espèce de forme archétypique, hein, celle du hangar, comme ça. Mais ce qui, ce qui a été aussi, je pense, une, un plus de, de, de ce projet, je parlais tout à l'heure à propos des, des bâtiments industriels, de cette idée d'insistance, de, de répétition. Répétition, c'est un thème hein, avec Francis Solaire. Hein, sur lequel on avait fait travailler nos étudiants il y a quelques, il y a quelques années. Je crois vraiment que la répétition, l'insistance, c'est une des bases de, de la présence de l'architecture sur un site. Et là, comme vous le voyez, ou enfin, comme vous le devinez, en fait, on a un seul type de, de module de fenêtre pour tout ce petit musée, et ensuite un seul type de, de panneau en zinc, bon, à, à deux deux de accidents près, c'est-à-dire un petit atelier pédagogique que vous voyez là-haut et, et une autre boîte comme ça. Et c'est euh, une façon, je crois, de, de répondre à ce, site, à ce site rural, de, de s'intégrer dans, dans un site finalement assez fragile, assez subtil, en prenant un seul matériau et en s'y tenant. Et ça, enfin, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet dont euh, la maison des, euh, des canis que j'ai faite avec Sandra Planchès, pourrait servir d'application ou le terminal passager euh, de Nice. Qu'est-ce que le régionalisme Enfin, ça nous ça prendrait du temps. Mais en tout cas, sur ce projet, on voit, vous voyez les constructions, vous voyez les constructions euh, du, du, du village là, euh, euh, au plus près. C'est aussi la démonstration dont il a fallu convaincre l'ABF, hein, parce que le projet de l'architecte des bâtiments de France, hein, ça aurait été quelque chose comme ça, euh, en plus grand, quoi, répéter ici, évidemment. Donc, de convaincre que l'on peut, euh, peut créer un dialogue, hein, on peut vraiment s'installer euh, dans, euh, dans un site avec ses codes d'architecture, euh, sans, c'est évident, mais ici vous en êtes convaincu. Euh, sans être dans le pastiche, sans être dans la citation, mais en même temps, une fois de plus, j'espère, en, en ayant trouvé quand même euh, en ayant trouvé, euh, le dialogue. Alors finalement, c'est euh, fort de, de, de l'énergie que l'on peut trouver dans, dans ces projets assez simples, que l'on aborde des, des projets... Euh, plus, plus complexe, comme le palais de justice de Rouen, on l'a vu, mais qui est pour l'instant à l'étude, où ce, ce projet, enfin, cette réalisation pour la Cité de la Voile, à Lorient, Cité de la Voile Tabarly, qui va être le euh, grand musée de la Voile euh, français. Alors, ces musées, fait musée, la programmation est faite par la Cité des Sciences de la Villette, hein, c'est-à-dire, c'est dans cet esprit de, de musée très, très interactif avec beaucoup de manipulations, d'hologrammes de, manipulation, de, de machines électroniques d'essais comme ça et c'est un site qui est, qui est très particulier en ce sens qu'il est sur la base de sous marin de l'orient le projet est là mais tout ça c'est la base de sous marin euh, enfin, c'était la base de sous-marin de l'orient une des bases euh, construite pendant la guerre euh, par, par l'armée allemande, avec euh, Saint-Nazaire aussi qui fait l'objet d'une reconversion, euh, La Rochelle et Bordeaux. Celle ci, c'était la base du commandement, euh, commandement allemand de l'Atlantique, avec trois grands euh, euh, bunkers que vous voyez ici, ici des, des, des systèmes de réparation des sous-marins, des bâtiments pour ceux qui en ont visité ici ou là absolument indestructibles. Là. Et qui servent de, 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 de toile de fond au projet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple de reconversion euh, urbaine d'un site, euh, je dirais, plus, plus qu'industriel, plus résistant qu'un site industriel, puisque c'était vraiment un site, un, un site militaire, et que ce site, maintenant, est rendu à la ville de Lorient. Lorient, qui là aussi a une histoire, puisque Lorient était en fait une ville créée de toutes pièces pour être un chantier naval euh, royal. Donc il est rendu à l'Orient et la ville de l'Orient, le maire de l'Orient, a eu l'idée de transformer ça en base. Ici, on, ce sont des quais de préparation pour les, pour les grands bateaux de course. Des bâtiments ont été construits pour, euh, où, où les grands bateaux de course se préparent. Dans les bunkers maintenant, il y a des fabrications de catamarans, de mâts, etc. C'est-à-dire que ce site redevient vivant comme un, un pôle d'activité lié à la voile de compétition et au nautisme. Et le, la cité de la voile Tabarly est en quelque sorte un peu le, 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 le porte-drapeau, le bâtiment locomotive qui va signer et la reconversion de ce site, et qui s'installe donc dans, euh, dans ce paysage où euh, je me sentais tout à fait... Euh, tout à fait à l'aise, en fait, avec ces, ces très beaux et très simples hangars en bateau. Si vous voyez un bunker, un, un sous-marin français, puisque après la marine française a euh, occupé le site, et on devine ici notre bâtiment. Là, donc, c'était la question de euh, comment construire euh, dans euh, dans cet environnement, dans cet environnement qui est euh, qui a une belle présence. Moi, j'aime beaucoup ce site qui a aussi une sorte de fragilité parce qu'en ce moment il est en train de changer et on voit que par exemple le traitement des sols serait quelque chose absolument à préserver pour l'instant c'est simplement un goudron un peu mal posé un peu indécis avec des herbes hautes et tous ces bunkers qui émergent ici ou là et on se rend compte que la pacification du sol avec les bordures réglementaires la signalétique les petits parkings bien propres est en train Quelque part d'affaiblir le, le site. Mais bon, c'est un site quand même très fort et assez, euh, je dirais assez naturellement, l'idée a été de, de se mettre en contrepoint de ces grandes masses de béton, qu'on peut voir un peu comme des, comme des collines, comme ça, comme des montagnes de béton, d'être en contrepoint, c'est-à-dire c'est très lourd, on va être allégé, c'est très gris, on va être coloré à une utilisant, ça ne se voit pas bien sur cette photo un aluminium dont la couleur est changeante, qui passe du bleu à l'argent. C'est très tellurique, c'est très ancré dans le sol, on est détaché du sol, etc. Voilà, on voit un bunker au fond et le, le bâtiment euh, au premier plan. Et finalement, le, le musée proprement dit se compose d'un rez-de-chaussée largement ouvert sur la promenade. Qui est entièrement vitré, de façon à ce qu'il ne soit pas intimidant, de façon à ce que la promenade urbaine, on puisse entrer dans cette, euh, dans cette partie à rez-de-chaussée où on va trouver la boutique, l'auditorium, les expositions temporaires. Et je dirais la partie, euh, la partie payante, euh, la partie musée, vraiment, la partie collection permanente, là-haut, qui n'est autre chose, finalement, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de chaîne euh, déformée, puisqu'au départ. La première esquisse était tout simplement de faire des sheds. On en voit un peu la trace, hein, de sheds réguliers. C'est vrai que là, euh, la vocation de ce bâtiment à être aussi une image, une identité du site, à être la cité de la voile et rien d'autre, nous a conduit à déformer un peu ce shed. Alors, en se donnant des prétextes, parce qu'à gauche, il y avait la bibliothèque, à droite, il y avait autre chose, etc. On a déformé ce shed pour créer une silhouette qui devienne. Euh, l'identité de la cité de la voile mais qui offre par contre la même euh, disponibilité euh, la même flexibilité pour, euh, pour les expositions c'est une machine à exposer quoi, comme, pour, euh, euh, comme un grand loft et ici on voit le loft, dans, le loft à exposer dans son site avec les, les bunkers et ceci que nous avons pris le risque d'ajouter au concours qui n'était pas demandé parfois ça passe, parfois ça passe pas là finalement euh, c'est passé et c'est même devenu un des, des éléments très importants du projet. C'est-à-dire qu'on demandait dans le projet qu'il y ait un ponton pour que les Penduics y soient amarrés ou de temps en temps un bateau de course. Et ce ponton était relié au, au quai par la passerelle habituelle de, de type plaisance. Et en fait, on, on a eu l'idée de, de faire un signe de ce ponton, ce signe vertical, et de relier du coup euh, le ponton directement à l'espace de musée, ce qui fait qu'ensuite le scénographe. Euh, ont pu intégrer, c'est-à-dire que l'idée architecturale a mis en route une idée de scénographie qui fait que le, le ponton fafra, fait partie maintenant euh, du circuit euh, du musée. Alors euh, c'est un bâtiment euh, très, euh, très environnemental parce que, parce que Tabarly, parce que La Voile. Parce qu'effectivement, parce qu on avait envie de, de dire, tiens, ben, on a conçu pendant longtemps des bâtiments comme des espèces de bateaux avec des super moteurs qui consomment, qui consomment beaucoup. Là, il y a une véritable occasion de concevoir le bâtiment comme un voilier et de faire qu'il consomme très peu. D'où une super isolation, d'où un chauffage par le sol. Enfin, disons tout ce qu'il faut pour peu consommer d'énergie, mais aussi pour en récupération de la chaleur sur l'air extrait, etc., mais aussi euh, production d'énergie gratuite, comme euh, par exemple là, à nouveau, ce rideau de panneaux photovoltaïques, qui est au sud, qui est absolument nécessaire. Il y avait de toute façon nécessité de, de cette loggia pour protéger le, le mur vitré du soleil, et d'un brise-soleil. Si on écoute les scénographes, de façon, il ne faudrait même pas de baie vitrée. Bon, c'était dur. C'est un, un peu la même histoire que la baie vitrée pour le bâtiment d'Air France. C'était quand même dur d'imaginer qu'on fasse un musée comme une boîte noire. Mais aujourd'hui, le musée idéal, en tout cas, ce type de musée-là, c'est la boîte noire. Parce que comme il y a beaucoup de vidéos et beaucoup de, comme je le disais, de, 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 de choses électroniques, c'est la boîte noire. Bon, là, on était face à la mer. C'était impensable. Donc, on a besoin de ça. Enfin, tout ça pour dire. Que ici, ces panneaux photovoltaïques, pour moi, ils sont vraiment la matière d'une architecture, d'une architecture joyeuse, d'une architecture intéressante, pleine de couleurs, pleine de reflets. C'est absolument pas, j'insiste là-dessus, l'application d'une quelconque norme. Et d'ailleurs, on a, euh, Dieu merci, cherché aucune norme pour ce, pour ce bâtiment. Voilà la matière de, de ces panneaux. Et voilà la loggia, là ce qui ne se voit pas c'est que toutes les ombres sont, sont, sont colorées de bleu. Et donc c'est euh, vraiment une décision qui fait partie de l'écriture même de l'architecture. Vous voyez ici la même chose vue d'en haut, mais aussi un peu d'explication. De... Alors là le panneau n'est pas encore en service, mais tous les visiteurs euh, verront sur ces panneaux qui ne sont pas encore habillés, combien euh, le bâtiment... Euh, produit euh, d'énergie comme il en a produit dans la journée, etc. etc. Alors, sur la partie euh, de la petite tour, à on a sous le quai une pompe à chaleur sur eau de mer, c'est-à-dire que l'eau de mer est pompée sous le ponton amené à l'intérieur du bâtiment et le refroidissement du bâtiment qui est pour ce type de bâtiment finalement la consommation un peu principale euh, de, euh, du bâtiment est assuré pratiquement gratuitement euh, par euh, cette pompe à chaleur sur eau de mer et on est en train d'installer en, en haut de cette tour nous sommes en train d'installer deux éoliennes euh, deux éoliennes qui participeront aussi euh, à la production d'électricité donc sur les éoliennes, juste deux mots aussi, parce qu'en ce moment les éoliennes sont, sont très critiquées sur les bâtiments. Il y a deux façons de voir les choses. Par exemple, là, les deux éoliennes, les ingénieurs nous ont dit, bon, vous savez, il faut 40 ans pour amortir le coût des éoliennes par rapport à ce qu'on va gagner. Et dans 40 ans, on n'est pas sûr que les éoliennes fonctionneront encore. Bon, alors c'est sûr qu'avec un... ce n'est pas encourageant pour mettre des éoliennes. Et donc je suis allé voir le maire. Et je me suis dit, je vais dire la vérité, puisque de toute façon, à un moment donné, quelqu'un va lui raconter cette histoire d'amortissement. Euh, Donc je lui dis ça, je dis, voyez, voilà, bon, c'est apparemment, c'est pas rentable. Mais l'autre façon de voir le problème, c'est de dire que du moment qu'on aura installé ces deux petites éoliennes, qu'on trouve, euh, qu'on est allé chercher euh, en Scandi, euh, dans un pays scandinave, du moment que ces éoliennes seront installées, dès le premier jour, tout l'éclairage extérieur du bâtiment sera gratuit, et sera équilibré par les éoliennes. Donc, ça, c'est l'autre façon euh, de voir la chose. Parce qu'en fait, tout le calcul financier, il est évidemment euh, complètement faussé par quel prix de référence, etc. Et le maire a dit banco, et donc on va voir les deux éoliennes. Et donc, on, toute l'animation lumineuse du bâtiment euh, seront fournie euh, par, euh, par ces éoliennes. Alors, le, du coup, là, cette petite tour est accessible, est accessible au public. Ah ben là, pour les, je reviens juste en arrière, parce que moi, je ne je fais, je fais pas de voile, je suis désolé, mais bon, pour les amateurs de bateaux, voilà, ça c'est le le Pendwick d'origine, le numéro un, le Pendwick numéro un. C'est l'occasion juste de dire autre chose sur ce bâtiment, sur euh, aussi. Que fait-on dans un bâtiment au bord de la mer qui parle de bateau euh, C'est-à-dire, il y avait dans le jury des gens qui souhaitaient que l'on fasse quelque chose genre architecture navale, quoi. bâtiment à hublots. On me disait Ah, mais il n'y a pas des petits hublots ronds. Ah, mais vous n'avez pas mis des, petites, euh, des petits accastillages, etc. Donc là aussi, c'est un autre sujet intéressant qu'on va voir dans un instant avec le bâtiment Airbus. Quand vous êtes confronté à des objets parfaits, bon là on le voit d'un peu loin, comme le penduic ou comme un bateau de, encore plus spectaculaire, à mon avis, il faut bien le dire, les, les grands catamarans de course aujourd'hui, est ce que l'architecture doit essayer de faire pareil, doit essayer d'être dans ce registre là, comme vous le voyez avec ce bâtiment, ce n'est pas du tout la piste que nous avons choisie, mais néanmoins, néanmoins, là aussi, il y, y a quand même une résonance, mais avec les outils euh, propres euh, de l'architecture. Voilà, quelques vues intérieures pour terminer avec le, le rez-de-chaussée, l'accès vers l'étage, la présence à l'intérieur du bâtiment, ça c'était important, d'un hangar vraiment euh, dans lequel seront exposés des bateaux euh, dématés mais grandeurs, et le rapport en, directement entre la partie hangar et la partie musée. Et là-haut, le, euh, le grand loft en attente de la scénographie, scénographie dont nous n'avons pas, pas la responsabilité. En tout cas, nous n'avons pas la charge. Voilà un peu le, le, un peu le centre de gravité du bâtiment avec le rez-de-chaussée, à gauche la partie, euh, la partie industrielle, la partie hangar, et en haut euh, la partie euh, exposition. Proprement dit. Du bateau, euh, objet parfait, un autre objet euh, technique parfait, euh, l'avion, avec ce, ce, le, ce concours que nous avons eu la chance de gagner euh, pour le Delivery Center d'Airbus, qui est en fait une sorte d'aéroport privé. Voilà, vous voyez ici la, la vue d'ensemble. Euh, C'est en fait un aéroport privé d'où partent tous les nouveaux Airbus fabriqués à Toulouse, c'est-à-dire en fait la moitié de la production d'Airbus, l'autre moitié partant de Hambourg en Allemagne. Mais effectivement, le, euh, le super Airbus, le A380, part de Toulouse, et donc on a gagné ce concours dans un contexte de planning complètement échevelé, puisqu'on a gagné le concours en février 2005, et l'Airbus était prévu. À l'époque, livré en novembre 2006. Donc, il fallait que le bâtiment soit livré en novembre 2006. Il a été livré le bâtiment en novembre 2006. Bon, l'Airbus a été livré le 15 octobre, la semaine dernière. D'où, vu à la télé, vu le, le bâtiment a été aperçu de temps en temps à côté de l'avion. Et donc, ce, 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 ce projet, comme un projet d'aéroport, en fait, il y a trois satellites. Un autre satellite sera construit autour de chaque satellite. On a Quatre positions d'avion et on a un bâtiment principal, dix bâtiments de cérémonie. Alors en fait, la livraison d'un avion, c'est un peu comme la livraison d'un bâtiment. Là, en l'occurrence, ça dure une semaine, c'est-à-dire que l'avion se positionne devant un satellite. Un quart du satellite est occupé par l'acquéreur, par le client. Et pendant une semaine, il va tester les moteurs, vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Et s'il a des réserves, oh, mais ça, j'ai pas bien compris comment il faisait. S'il y a des choses qui vont pas, c'est réparer, enfin, ou c'est changer. Alors, je... Et au bout d'une semaine, puisque c'est le, le, le format, au bout d'une semaine, pour la petite histoire, ils se réunissent tous dans une salle. On m'a montré ça sous forme d'un film. Ils se réunissent tous dans une salle. Et là, on voit des gens avec trois ou quatre portables là, dans chaque main. Et c'est faire venir l'argent sur le compte d'Airbus parce que l'avion ne part que quand le dernier euro est viré sur le compte. Et donc comme il y a plusieurs banques qui sont mises en jeu, c'est assez, assez marrant, on a l'impression de trader comme ça. Donc on n'est jamais sûr de l'heure à laquelle l'avion va partir. Et si l'avion est le premier d'une série, si par exemple vous êtes un client et que, que c'est le premier d'une petite dizaine, vu que ça vaut 300 millions d'euros l'unité, on fait une petite fête. Et la petite fête se passe... Se passe dans ce bâtiment. C'est ce qui s'est passé donc, le 15 octobre pour la première euh, Singapore Airlines avec le A380. Et donc là, le, euh, le sujet, c'était par contre l'inverse euh, de l'aéroport, puisqu'en fait, dans un aéroport, vous avez un maximum d'avions, Enfin le but c'est d'avoir un maximum d'avions par mètre linéaire de façade. Euh, ici, l'objectif c'était d'avoir un maximum de façade pour un seul avion. Et je crois que j'ai gagné le concours par cette idée de, de voir l'avion en cinémascope et d'avoir le bâtiment qui enveloppe l'avion. Et comme euh, tous les architectes ici présents, on se dit qu'on a une idée comme ça pendant le concours, on se dit, mais pff, tout le monde, tout le monde va avoir la même, les six projets euh, feront la même chose. Bon, ce n'était pas le cas. Et en fait, on a donc cette idée aussi que le... Nous restons sur celle-ci que le projet n'est complet que quand il y a l'avion, hein, et que quand il n'y a pas l'avion, on sent un peu le vide de l'avion et que les deux marchent ensemble, c'était cette idée. Et sinon, dans la façon dont on a construit ce projet, à Toulouse, puisque euh, l'idée toujours aussi, c'est que refroidir un bâtiment, c'est ce qui est le, le plus compliqué, on avait par chance... La façade euh, panoramique au nord et la façade côté euh, landside, à l'opposé des pistes, hein, au sud. Et donc on a cette grande ombrière en métal perforé qui unifie les divers composants de ce projet, parce qu'en fait sous cette ombrière, il y a des bureaux pour Airbus, un grand hall d'accueil exposition, la salle cérémonie proprement dite et un centre de presse. Donc tout ça est unifié par cette grande toiture qui se retourne au sud euh, pour, euh, pour la façade. Petit objet euh, annexe, petit objet secondaire, hein, la, la passerelle qui relie les satellites au bâtiment principal. Et ici, quand même, euh, en, à la fin de l'année 2006, pour nous remercier d'avoir tenu les délais, ils ont, on a quand même mis en position le A380, en tout cas le numéro 0. J'ai pu euh, aller dans la cabine de pilotage. Je n'ai pas piloté, mais j'ai pu aller dans la cabine de pilotage et voir le bâtiment, comme le verront. Euh, tous les pilotes qui partiront de, de là doivent voir, doivent voir le bâtiment depuis la cabine. Et puis c'était l'occasion de voir là aussi cette confrontation qui me paraît être un grand thème de l'architecture du qui a été un grand thème de l'architecture du XXe siècle, on le sait, de comment l'architecture d'aujourd'hui, esthétiquement, se confronte aux machines, se confronte à ces objets hyper techniques, de voir comment l'avion et une architecture finalement faite de bouts de tôle, un peu de tôle perforée, un peu de tôle aluminium irisé, comme Tabarly, qui change de couleur, euh, marchent ensemble. Et là aussi, je suis convaincu que c'est chacun en restant dans son registre que, euh, que l'on fonctionne, euh, que l'on fonctionne bien. Alors la toiture vitrée se retourne un tout petit, pour avoir une ouverture sur le ciel. Et voilà la, la salle prévue pour recevoir plus de, plus de 500 personnes. Le balcon qui permet de sortir et d'avoir pour les journalistes de filmer ou de prendre des photos sans avoir, sans avoir le, le mur-rideau, vraiment une sorte d'instrument panoptique pour voir l'avion. Et voilà l'autre côté, le côté sud, avec le, le hall d'entrée. Et cette façade sud qui se, qui se retourne. Et là, vous devinez, là, ce matériau dont je vous ai parlé sur Tabarly et sur, euh, et sur ce projet, peut-être, euh, vous devinez ce changement de couleur qui fait que selon les, les heures de la journée, il peut être extrêmement gris ou violet ou, ou bleu. Et ce qui est très intéressant, parce que ça donne de la profondeur au métal et ça évite une couleur de peinture type euh, laquée, euh, pour, le, pour le métal. Je vais terminer donc avec le volet euh, recherche, euh, en posant la question de quoi le futur sera-t-il fait, en tout cas pour hein, en ce qui nous concerne nous les, les architectes. Question à laquelle nous à l'agence euh, on essaie de, de réfléchir en ayant inventé comme ça l'idée qu'une agence peut fonctionner comme un laboratoire de recherche et proposer des bâtiments prototypes. Alors de quoi l'avenir sera-t-il fait Bon, on est sûr de se tromper toujours. Mais peut-être que ceux qui nous en parlent le mieux, ce sont les écrivains et les cinéastes et les films. J'aime beaucoup la façon dont les films présentent le futur. Ici, un film que vous connaissez, j'espère, enfin ou peut-être, Gataka, un film euh, euh, très intéressant, qui imagine, à mon avis, quelque chose d'assez vraisemblable. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, ce, qui, ce qui va changer dans l'avenir, ça va devenir de plus en plus petit. On nous parle de nanotechnologie. Là, dans ce film, pour ceux qui l'ont vu, c'est encore plus effrayant, puisque c'est la biologie. Et en fait, l'humanité, les, les gens sont contrôlés dès leur naissance, et ensuite complètement suivis, euh, suivis par, par leur sang. Et donc, on se dit, quelqu'un qui imagine un scénario pareil, quelqu'un qui a une vision, à mon avis, aussi bon, effrayante, mais une fois de plus plausible de l'avenir, que comment voit-il l'architecture ben Dans le film, ça se passe dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, c'est euh, le Marine Civic County de Frank Lloyd Wright, 1959. Donc on voit un scénario absolument futuriste, et ce scénario absolument futuriste plante Prend place finalement dans une architecture qui, dans le film, passe extrêmement bien, mais qui, qui est une architecture tout à fait datée, qui même écrase un peu. Dans ce film, l'architecture écrase un peu les, les personnages. Donc en fait, on voit que dans ces visions-là, il n'y a pas d'architecture futuriste, il n'y a pas d'architecture en forme de soucoupe volante hein, nécessaire hein, dans une vision du futur. Un autre film, Le cinquième élément de Luc Besson, avec des vues très spectaculaires des voitures qui volent, etc. Bon, ça, je pense que tout le, monde a, tout le monde a vu ce film. et là, quand vous regardez mieux, par exemple, vous êtes attiré tout de suite sur le côté gauche de l'image. parce que sur le côté gauche de l'image, vous voyez une corniche ici. vous voyez, vous voyez pas bien. Voilà, là, je, je, voilà. donc vous voyez mieux ce que je veux dire. vous avez ici euh, une corniche, des moulures. donc on voit que les voitures volent. on est dans le futur. Le plus, le plus absolu. Eh ben luc besson finalement imagine une architecture très kitsch. et je pense que si on continue, si on, enfin si on continue, si oui, si on continue dans le formalisme, dans, dans une architecture vraiment de, de forme et de décoration, je pense que c'est un peu ça qui va, qui va arriver. et qu'il faut toujours prendre garde que l'innovation ne soit pas une innovation de de, de façades, de concours, de, de formes plus, plus, plus gesticulantes les unes que les autres, comme on voit beaucoup, par exemple, en Chine actuellement et certainement ailleurs, mais d'essayer de toujours trouver un lien et de toujours trouver du sens. Alors, en ce qui me concerne, je vais parler de ce qui me concerne, pas du tout d'une vérité révélée. En ce qui me concerne, euh, mon goût pour la technique, pour les liens entre architecture et technique, mont effectivement. Euh, toujours euh, guidé dans ce qui concerne les innovations et dans ces projets de recherche, comme euh, ce premier projet de recherche que nous avons fait qui s'appelle Concept Office que nous avons fait il y a trois ou quatre ans. comme tout labo de recherche hein, comme labo scientifique, on a eu besoin d'un industriel et d'un sponsor pour, euh, pour nous aider à financer cette recherche, il y en a essayé d'imaginer un bâtiment de, de bureaux ultra performant. Euh, en termes d'environnement, parce qu'effectivement, cette idée de rapport entre technique et architecture, c'est une constante euh, dans l'histoire de l'architecture, euh, que ce soit la Renaissance avec le dôme, que ce soit le XIXe siècle avec la, la plus grande hauteur et la plus grande portée. Donc en fait, c'est juste, pour moi, ces idées environnementales, c'est juste un nouveau critère, une nouvelle façon euh, d'évaluer le rapport entre technique et architecture. Et finalement, je crois que c'est tout à fait euh, faux. De parler d'architecture durable hein, ou d'architecture environnementale, je crois qu'on serait, euh, serait beaucoup plus pertinent si on parlait d'une architecture pour une société durable ou pour une société environnementale. L'architecture est l'architecture, hein, et d'une certaine point elle a toujours été ou toujours pas été environnementale. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est ça c'est une architecture pour une société environnementale et dans ce projet prototype c'est-à-dire un bâtiment qui n'est pas destiné à être vraiment construit, qui rassemble tout un tas de, de dispositifs, on en a profité pour dire effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une occasion de définir une esthétique, de définir quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la potion amère qu'il faut boire, la potion bio euh, un peu nauséabonde qu'on est obligé de boire pour, pour être dans le coup. Non, c'est une occasion de remettre en mouvement ce rapport entre architecture et technique et de rendre l'architecture pour cette société durable, de la rendre euh, désirable. Comme ici, dans cette image, où on a imaginé un bâtiment qui était complètement transparent, puisqu'il faut mettre des gaz du gazon aujourd'hui sur les toits, mais servons-nous de ces toits comme euh, jardin suspendu. L'immeuble était entièrement vitré, parce qu'il y a trois ou quatre ans, on nous disait, mais il y a la RT machin qui va sortir. Et on va faire des toutes petites fenêtres et des murs épais, donc on va vivre comme à l'âge des cavernes dans des, dans des grottes. Donc là, c'était l'idée de dire ben non, on peut faire un bâtiment transparent qui soit performant. Ça a été modélisé dans le centre de, de recherche d'EDF, et effectivement, en tant que prototype, c'était un bâtiment extrêmement performant tout en étant ouvert. Et puis, c'est l'occasion évidemment de repenser à toute autre chose. Il ne s'agit pas uniquement de dire hein, je produis quelques kilowatts ou j'économise un peu d'énergie. C'est l'occasion de repenser euh, l'espace de bureau, euh, d'imaginer un espace de bureau fluide, continu, ouvert, de nouvelles façons de travailler. Je ne vais pas décrire complètement le projet, mais c'était l'idée d'imaginer l'espace de bureau comme, plutôt comme dans un hôtel, avec des salons, avec divers lieux pour travailler, toutes choses qui existent. Hein. En, en fait, dans ces bâtiments prototypes, on ne fait rassembler que des idées que l'on a repérées dans la presse ou dans nos bâtiments ou dans des bâtiments vus ailleurs ou dans des articles. Euh, Toutes choses qui existent. Donc une nouvelle façon de travailler. Autre élément aussi très important, c'est qu'un bâtiment de bureau ne sert qu'un tiers du temps. Donc tout ce qui allonge la durée d'utilisation du bâtiment, évidemment, va dans le bon sens. Donc si vous avez un bâtiment qui est conçu avec des couloirs, bureau, 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 salle du directeur, bureau toilettes salle de détente, amphithéâtre, vous ne pouvez rien mutualiser. Si vous organisez l'architecture, et il y a mille façons de le faire, hein, si vous organisez l'architecture de façon à tout ce que j'ai appelé au début ces espaces collectifs, soit accessibles en dehors des espaces privés de bureau, en dehors des horaires de bureau, facilement accessibles, la limage c'est un peu le grand magasin, ou l'hôtel à nouveau, eh bien ça veut dire que vous pouvez prêter... La salle de réunion pour une association, vous pouvez avoir des cours de langue, vous pouvez avoir des expositions. Le restaurant d'entreprise peut être un vrai restaurant. Toutes choses, une fois de plus, qui existent, mais que souvent, l'architecture empêche. Alors, l'architecture empê ne peut pas décider de ça, mais au moins, elle peut le suggérer et le permettre. Et donc, ce lien à la ville, cette nouvelle façon de travailler à l'intérieur du bâtiment, faisait partie intégrante de ce projet. Et à partir de là... On a euh, travaillé sur un deuxième projet de recherche, deuxième projet de recherche sur une architecture verticale. Alors pourquoi une architecture verticale C'est parce qu'effectivement, ça, ça me paraît, et c'est une évidence, une bonne réponse à, à la métropole. On sait qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, des villes qui dépassent souvent 10 millions d'habitants. Donc, pour. Euh, contrecarrer une espèce de détalement urbain infini, il est absolument indispensable de créer des points de, de densité. Et ces, euh, ces points de densité, donc bâtiments de grande hauteur, par leur masse, par euh, leur quantité de mètres carrés, peuvent être justement l'occasion là aussi de reconsidérer euh, l'architecture des gratte ciel qui, depuis les années 1950 ne sont que des prismes de verre, tordus de diverses manières, de toutes formes, etc., mais qui ont toujours eu un peu cette, cette idée un peu de design d'un objet cristallin parfait. Et là, avec ce projet de recherche hyper green, nous avons essayé de proposer, de proposer autre chose dont la clé est une structure extérieure, structure extérieure qui, au nord, comme on le voit ici, sur la droite de la photo, s'ouvre largement et au sud se resserre pour faire bris soleil. Donc la structure est à l'extérieur, parce qu'une structure à l'extérieur est beaucoup plus efficace qu'au qu centre, donc vous consommez moins de matière. Et elle oriente la tour. C'est ça finalement, nouveauté là aussi toute simple, hein, nouveauté toute simple, mais qui renouvelle assez fort finalement le langage. De, de, de ce type de façade, elle oriente la tour en se densifiant au sud, en supportant même des éléments de, de brise-soleil au sud et en s'ouvrant au nord. Comme le sponsor était la farge, il nous a paru opportun d'imaginer que cette structure soit en béton, et en l'occurrence super béton de la farge, le, le ductal, qui nous a permis d'imaginer cette, euh, cette voilette de... de Structure comme à la fois continue, ce qui est une propriété du béton, mais presque aussi fine que l'acier. Et ça, ça m'intéressait d'avoir euh, la juxtaposition entre le minéral et, euh, et le côté verrier, le côté transparent, qui faisait pour euh, une sorte d'hybride entre les premiers gratte-ciels, qui sont tous ces gratte-ciels en pierre de l'école de Chicago et de New York jusqu'en 1935, avec l'Empire State Building, puis ça s'arrête, et les gratte-ciels. Vert. Alors l'avantage de ce système de structure, c'est que le noyau est réduit au minimum et qu'on a un espace de type loft euh, à l'intérieur, que c'est un bâtiment en béton mais préfabriqué avec les croix qui sont pré-contraintes, enfin post-contraintes plutôt les unes aux autres, donc ça fonctionne vraiment comme une sorte de, de textile euh, tendu. Et cela juxtaposait de façon verticale, pour des raisons d'orientation, des plateaux de bureaux, de logements au centre, donc comme des lofts absolument flexibles, et sur le côté sud, qui était défavorable au bureau, toute une série d'équipements un peu extraordinaires, on est toujours dans l'idée du prototype, avec des jardins suspendus, des salles de conférences, des salles de réunion, toutes sortes de choses que vous avez vues dans le petit film du début, notamment la piscine. Et ces grands bâtiments sont, je le disais, au niveau ce économique, une bonne opportunité de mettre en œuvre toute une série de dispositifs qu'on aurait du mal à justifier sur un bâtiment plus petit. Des dispositifs qui sont parfois très, très simples et très anciens, comme les puits canadiens, qui utilisent la, la température constante du sol pour ventiler. On peut ventiler, disons, jusqu'à peu près 50 mètres de haut de, du bâtiment avec cette technologie, ou les, la récupération d'eau, ou. Euh, les, les pompes à chaleur, etc. Les éoliennes sur le toit qui, qui donnent un couronnement animé à, à ce bâtiment, les panneaux photovoltaïques qui sont un peu comme un mouchard à les jardins suspendus qui fonctionnent aussi comme des jardins d'hiver et qui participent à la ventilation du bâtiment. et le potentiel toujours très beau de ces, de ces objets la nuit, d'autant plus beau quand on se dit que l'éclairage du bâtiment, là aussi, est fourni par les dispositifs de ce bâtiment. Et donc, euh, ce, ce projet prototype, on a eu l'occasion d'en faire une application bien concrète. Francis Rambert l'évoquait tout à l'heure, puisque toutes les maquettes de ce... De ce très beau concours pour une tour de 300 mètres de haut ont été exposés ici même. On a, on a eu l'occasion de le tester, en tout cas dans le cadre du concours, de le tester sur, de le tester sur un site réel à la défense pour le concours euh, Unibail de la tour de 300 mètres de haut. Et là, ce qui nous a intéressé à la défense, c'est le rapport au sol et le fait que la défense est en train de se, de se fortifier. De, se, de, de devenir absolument minéral, et qu'il n'y a plus aucune commun, communication entre la dalle. Déjà la dalle, c'est une rupture, mais chaque tour qui s'ajoute, et en ce moment, ils sont en train d'ajouter des tours entre les tours, est en, est en train de, tra, de transformer euh, la défense dans une espèce de cité-forteresse. Et là aussi, on pourrait citer quelques films de science-fiction, toujours plutôt effrayants. Avec ce genre de techno, de techno structure comme ça complètement coupé du monde. Donc nous on ne voulait pas ça et c'est pour ça qu'on a soulevé toute la tour de 30 mètres, on a suspendu le hall euh, sous la tour et ainsi là, on est côté courbevoie et ainsi on, on espérait que le projet le plus grand et le plus haut de la défense soit aussi le plus léger posé sur la dalle et soit plutôt une porte et une continuité euh, plutôt qu'un obstacle. Et donc le hall de, du bâtiment était déporté sur la gauche et euh, ça permettait d'être sûr d'avoir un vrai hall vivant avec des boutiques, des expos, etc. Parce que pour des questions de sécurité, on n'était pas sous la tour. Parfois, je pense qu'il est bon de traiter d'emblée ces questions de sécurité pour être sûr d'avoir des espaces vraiment vivants. Et l'espace de hall était euh, donc suspendu euh, sous la tour. Et on va voir le, le petit film. D'une minute trente sur euh, sur ce projet. C'est parti. Je terminerai sur un propos sur, euh, sur les gratte-ciel ou sur l'architecture verticale à Paris, ou en tout cas euh, euh, en, région, euh, en région parisienne. Je crois que c'est important, puisqu'il y a un débat à Paris là-dessus. On sait la frilosité qu'il y a des Parisiens euh, sur ce sujet, à mon avis, qui est dû. Au fait, on, on parlait de la dalle de la défense. En fait, toutes les constructions verticales à Paris sont coupées de l'espace public. Donc je crois que le problème. Euh, du, du public avec ces constructions verticales ne viennent pas tant de la hauteur, mais viennent du désastreux rapport au sol et à l'espace public que l'on voit aux Olympiades, que l'on voit à La Défense, que l'on voit euh, à Beaugrenel. Même la tour Montparnasse, qui est posée sur le sol, euh, réussit quand même à avoir l'air, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même à avoir l'air coupé des rues et, et de l'espace public. Et de toute façon, son hall n'est pas multifonctionnel, il n'y a pas de, de commerce, de magasin, etc. Et, et pendant le concours de la tour-phare, on est allé en haut euh, au restaurant en haut de la tour Montparnasse, on s'est contenté de boire un verre, hein, parce que est, tout est vintage. Le pianiste, je pense, date de la construction de la tour. Il n'y a que des clients japonais. En tout cas, c'est pas l'endroit hype pour un. Ça manque à Paris. Enfin, quand je dis Paris, c'est Paris, euh... c'est le vrai Paris, quoi. Enfin, pas Paris à l'intérieur du périphérique. C'est euh... le grand Paris. Donc, je crois qu'il y a. Bon, j'aurai plus d'images. Ah non, ça c'est. Voilà. Voilà. Donc, je crois qu'il y a vraiment. Excusez-moi. Il y a vraiment un, un enjeu. Très, très clair aujourd'hui pour la périphérie. Je crois que ce n'est pas la peine de faire peur aux gens et de dire qu'on va construire une tour euh, ou deux tours euh, dans le Marais euh, ou dans la Cour du Louvre. Euh, J'en vois de toute façon pas l'intérêt. Non, il y a vraiment un enjeu pour, euh, disons, la petite couronne, enfin pour, pour ce qui est autour de Paris qu'on a représenté ici. En gris, c'est le périphérique. Il y a la petite couronne, ça amène à peu près 1,3 million habitants de plus avec ces, ces communes-là. Et en fait, ces communes où habitent beaucoup de gens aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes, euh, très vivants, enfin, tout marche bien dans ces communes, sauf qu'il n'y a pas de, de repères, il n'y a pas d'images. Toutes les images sont concentrées dans Paris, qui est le Paris que l'on connaît, qui vieillit, qui est trop cher, qui est serré, etc. Et où on accumule, puisque même le nouveau palais de justice, même, enfin, tout, tout est construit, tout est construit toujours à l'intérieur du périphérique, et donc... Il y a un manque d'image, et je crois que cette, il faut, il faut euh, disons associer, il faut associer cette, euh, cette réflexion sur la hauteur avec cette réflexion sur un Paris élargi et un Paris qui aurait lui aussi justement euh, des monuments, des monuments contemporains qui seraient des tours et certainement des tours mixtes. Logement plus bureau, euh, chambre d'étudiants plus hôtel, euh, etc. Euh, hôtel, euh, hôtel plus bureau. Pourquoi Parce que, bon, là, il y a des tas de raisons, euh, au niveau, par exemple, des parkings, au niveau des services. C'est-à-dire que si vous mettez des bureaux et des, et des logements, ben, les bureaux ont beaucoup plus d'argent que les logements ce qui fait que le beau jardin des bureaux qui sert à personne qui est toujours impeccablement peigné ben, là au moins il sert au logement etc c'est une nouvelle aussi façon d'habiter donc ça ce serait des projets très intéressants et puis d'avoir en haut effectivement des boîtes de nuit des bars des hôtels des restaurants ce qui fait qu'on dit tiens euh, ben, voilà à malakoff il y a ici j'habite montreuil ben, oui montreuil c'est où ben, c'est là où il y a la tour qui la nuit est bleue verte rouge etc et de créer vraiment euh, ce que j'évoquais euh, il y a quelque temps, les nouvelles cartes postales les, les nouvelles cartes postales devraient être euh, ces nouveaux, euh, ces bâtiments dans la périphérie alors je terminerai rapidement par deux exemples donc une troisième tentative euh, d'hypergreen qui est bien partie celle-ci mais bon ça ici les moulinots bon, en plein centre bon je vais dire un peu sur ce projet c'est c'est un projet qui est, c est, c est... Parce que cette idée, c'est l'idée de construire, non pas des quartiers de tours, hein, vous m'avez bien compris, mais un peu comme la de mettre au droit d'une station de métro, d'une gare, d'une station de RR, de mettre juste à un moment donné une tour pour un point de densité. C'est le cas ici, en plein centre d'ici les Moulineaux, où le fait de reloger 50 000 mètres carrés de bureaux et d'activités dans une tour libère un grand jardin, crée un centre commercial de proximité, ce qui fait que les gens prennent plus le, leur voiture et une salle de spectacle. Et l'idée, c'est que la structure ici, qu'on vient déjà de voir deux fois, cette structure hein, ici sert de portique, sert de galerie pour un immeuble qui, a rez-de-chaussée, et urbain et qui serait, qui s'ajouterait, donc ce n'est pas un quartier de tour, qui s'ajouterait euh, à, à la silhouette de la ville. Et on a imaginé avec l'agence Terre des jardins, enfin l'image est un peu... Un peu sommaire pour l'instant. Moi, se disais, mais dans cette idée de jardin suspendu là-haut, pourquoi avoir une qu'est-ce qu'on va faire d'une étendue de gazon au 20 vingtième étage Et finalement, l'agence Terre a eu l'idée d'encapsuler de, un peu la végétation dans des espèces de filets. Là, depuis, on a retravaillé là-dessus. Ça s'ouvre un peu plus, je dirais, mais il faut imaginer comme ça la végétation qui qui est à la fois de mise, en, mise en scène, mais qui libère le sol, parce qu'on a affaire à du bureau, il faut être réaliste, qui libère le sol pour euh, un bar, des réunions, etc. Et un tout dernier, euh, tout dernière illustration, c'est que cette réflexion sur euh, ces, ces tours de la petite couronne pourrait évidemment venir tout près, tout, tout près de Paris, mais on n'est pas à Paris ici, on est à Clichy, mais juste le long du périphérique. Et il y a à l'évidence euh, l'opportunité euh, de marquer ces portes de Paris et de résoudre, euh, résoudre j'allais dire mieux qu'on l'a fait, non pas mieux qu'on l'a fait, mais à l'opposé de comment on l'a fait pour ceux qui connaissent Porte d'Orléans, à Montrouge, qui est catastrophique, c'est-à-dire... Parce que les mètres carrés, de façon, ce ne sont pas les architectes qui décident, on va construire des mètres carrés là, hein. Ça, vous le savez, c'est le marché. Donc à, à Porte d'Orléans, à Montrouge, c'est vraiment c'est... enfin ça n'est presque triste c'est vraiment horrible de voir qu'on ajoute au périphérique la muraille de bureau. donc là c'est l'idée de dire, ben, utilisons cette architecture euh, verticale pour justement ne pas voir cet effet là et aussi de réduire l'échelle du, du, du périphérique à celle de l'avenue urbaine euh, d'une grande métropole d'une grande métropole qui n'a pas 2 millions d'habitants mais qui a bien euh, 10 millions d'habitants C'est pas construit, hein, c'est juste un film. C'est pas. Hein. Je vais pas les commentaires parce que je pense que c'est assez évident de reconnaître un peu les les morceaux et les idées qu'on a vues au cours de l'exposé.